Re-YouTube, un nouveau jour, des nouvelles pêches, des nouvelles prises. Ouais, on a découvert deux jeux indés tout à l'heure. Un pas mal et un moins bien. Ah, est-ce qu'il y a des trucs? Non. Croissance 3. Croissance 3, croissance 5. Est-ce que ça veut dire que je dois aller... Bah non, il pleut. S'il pleut, normalement, je vais pas aller... On va voir la prochaine fois. Alors, est-ce qu'il serait pas sage de prendre le net gun? Capture 7 poissons en même temps. J'en ai pas. Est-ce que je peux l'upgrader dans le cas où j'en ai un? Non. Il me faut de la corde. Merde. Oui. Non. Stop. Oui. Il n'y a pas de vente de corps, de trucs comme ça. Je peux que vendre des trucs. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez, on va tenter avec le net gun. Hein. Vu que la dernière fois, on pouvait pas l'endormir avec le pistolet tranquillisant. Eh ben, on va le choper. Ça m'embête un peu. C'est une offre exclusive. Oui, c'est bon, c'est bon ça. Il est content. Gaëtan. C'est le matin, d'accord. Au pire, qu'est-ce qu'il me faut pour l'améliorer, le netgun? C'est de la corde. Il me faut 10 cordes. Et après... Ah putain, je peux pas le voir. 10 cordes. Ok, bah, papier-crayon, hein. Oh, attendez, il y a une autre chose que je voulais faire aussi. Alors, 10 cordes, je voulais aller voir... Ah, il me faut une aubergine, une carotte pour Max Samy, là, pour ses sushis de légumes. Mais surtout, je voulais aller voir qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour faire des sushis vachement chers, là. Les nouveaux qu'on a débloqués. Alors... Bah vas-y, déplace-toi, on va le voir. Ah bah non, je suis con. Menu, tac. Ah, le thon jaune, c'est encore mieux. Ah, il se revend un petit peu plus cher, mais l'autre, il plaît beaucoup plus. Ah mais non. Non mais je suis con, attendez. C'est juste que comme j'ai pas les ingrédients pour le faire, je peux aller au-dessus de 250-200. C'était lui que j'avais en tête. Ça fait moins. Ah oui, mais ça, c'est les trucs de boss. C'est normal. Je pense que si j'augmente bien l'assortiment de sushis, là, ça peut vraiment faire bien plaisir. Et attendez, et si on envoyait Jean-Michel là aller récupérer de la mayonnaise? Il y a ça aussi. Bah en fait, le thon, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais non, ça donne plaisir. En fait, non. En fait, c'était pas vraiment le meilleur que j'avais en tête. Bon, bah, c'est pas grave. Le thon, il est pas mal. Puis au pire, en plus, l'avantage, c'est... Remarque, l'avantage de ce truc-là, c'est que des petits trucs qu'on trouve facilement. Alors, je me le mets dans un coin. Je vais essayer bien l'augmenter. Assortiment, c'est baliste, baliste jaune, vieil arlequin, et la loche entre parenthèses rouge, tac, hop, voilà. Je me le mets dans un coin. Il me donne faim, ton jeu. C'est pas faux. Peu, ouais. Petit peu. 4 étoiles de mer fragile. Amélioration fléchette. Ah oui, il y avait ça aussi, je voulais faire. Allez, on se barre. Une petite pâtée pour chat avec ça? Ah non, j'avais déjà mangé. Je leur ai déjà donné à manger. Allez, on y va. On va pêcher ça. Comment vas-tu, mon Chou? Un compte de beau. J'ai toujours pas allumé Satisfactory. Je suis dégoûté.
À chaque fois, j'ai un truc à faire. J'aimerais bien ne rien avoir à faire et de jouer tranquille. Il faut de la corde. 10 cordes. Ah bon, je suis pas stressé, mais c'est juste que bah, à chaque fois que je fais des exports de vidéos, des trucs comme ça, bah mon ordinateur il est bloqué quoi, je peux pas l'utiliser. Enfin, je peux pas l'utiliser. Faut pas runner un jeu quoi. Harpon choc non. Je vais garder le harpon normal. Espérant que je ne le tue pas. Alors, j'ai le net. Ah! Lui. Fuck! Ah. Agressif, hein? Ah, et par contre, il bouge pas vraiment de sa zone, hein. Ouais, deux secondes. Au! Yes, c'est bon. Fou. Pip. S'il te plaît, attrape-le sans le tuer. Même j'aimerais bien savoir comment. What? Même mais ça lui envoie un pain là. Mais ça le déchire complètement. Vas-y, viens là. Va dans le mur. Et putain! Mais comment veux-tu? Ça marche pas. Il déchire le truc. J'aimerais bien ne pas le tuer, mais... Comment je peux faire, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah non. Et il me donne le silencieuse. Il me donne les fléchettes, hein, pourtant. Hein. Merde, putain, non. C'est pas les fléchettes, ça. Merde. Plus de fléchettes. Oula, j'ai plus d'oxygène non plus, tiens d'ailleurs. Fait mal lui, hein. Pour un poisson qu'on trouve en 0,50. Oui, non mais deux secondes. Bravo Rétro, qui passe chouk de bronze. Waouh, toutes les médailles. Beaucoup de médailles ce soir. Triple Axel. Que je vais peut-être voir ce week-end. On va se faire une soirée, ça va être cool. S'amuser. Au! Ciao, bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Bam! Toujours pas. Dans le fondement. Non, je le sentais pas. Bam! Deuxième trou. Raté! Mais putain, mais comment je peux faire pour le choper, quoi?
faut quoi? Il me faut une bombe. Une bombe à filet, là. Sinon, je vais essayer de trouver une bombe à filet, hein. Je sais pas, moi. Oursin violet. Je sais pas comment je peux le choper. Toi, tu m'emmerdes. Je sais pas comment je peux faire pour le choper. Oui, ou alors il y a un truc que j'ai pas saisi, je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait comment je peux faire pour le choper? Je suis embêté. Je vais quand même pas chercher ces fucking bombes. Ces fucking bombes. Ah! Il ne fait pas beaucoup de dégâts, mais il endort parfois les poissons. Est-ce que ça peut le faire, ça? Le jouet qui fait quick. Si je lui tape sur la tête, mais de face. Ah oui, non, je peux même pas le toucher de face, quoi. Je fais quick. Non. Aïe. J'arriverai pas à l'endormir. Je sais pas. Il y a une caisse jaune à côté. Ok, scooter. Ah, je suis saoulé, putain, mais comment on fait? Bah, je vois pas d'autre choix, hein, que d'aller choper cette putain de bombe. Donc c'est dans les caisses jaunes. Ah non, c'est dans les caisses d'armes. Je sais plus. C'est dans une caisse. Eh ben merde. Oh, ah merde. C'était le fusil qui était équipé. J'ai trouvé une explication, dit Chu. Ah, vas-y. Dis. Si t'en trouves une. Alors, faut le faire foncer quelque part? Tu veux savoir? Ouais, je veux bien, ouais. Parce que si je le rate, là, en fait, j'aurai plus l'event. Le faire foncer quelque part, non? Bah non, parce qu'il arrête pas de me dire que son point faible, c'est l'arrière. Faut même pas vider 5 chargeurs de trucs tranquillisants, quoi. Curcuma. Aïe. On peut lui démonter la gueule. Oh. À coup de bombe ou une autre arme. Mais si tu veux l'attraper vivant, la solution, c'est les fléchettes tranquillisantes dans le fondement. Mais j'arrête pas depuis tout à l'heure.
J'arrête pas et ça marche pas. Je vais vider deux chargeurs déjà là. Bon, on va recommencer, on va continuer. Là. De face ça marche pas. Oui, non mais je sais. Je le fais que de dos. J'arrête pas de lui tirer dans le cul. Parce que en plus de face la fléchette on voit qu'elle traverse. Je vais planter deux chargeurs dans le cul quoi. Moins une, parce qu'il y en a une qui est pas passée tout à l'heure. Je l'ai raté. C'est relou. Bon, on va repartir sur les flanchettes alors. Oh, j'ai écart. Rebonjour. Par super haut. Pas une petite petite corde ici là. Hop. Une dans le cul mais ça fait rien. Hop, encore. Voilà. Encore un chargeur. Salut. Ah, oh putain, ça fait longtemps. Eh, ça fait pas un peu 20 ans qu'on s'est pas chopé un petit boat, là? Quand même. Habt einen guten Stream! Paf! Bon, bah, il s'est encore pas endormi. Donc bah, je vais rechercher un chargeur. Ça fait longtemps qu'on s'était pas tapé un bot de pub comme ça, hein. Vache. Ah. En même temps, j'ai tellement blindé pour les autobans directs et tout que... C'est vrai que lui en allemand, il est passé entre les mailles. Ou alors, c'est Noirou qui me fait une blague. J'en serais capable, Saligou. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Viande de marlin. 3-8. Non, ça passe pas. 5, 1, 6. Tac. Et 0,4. Voilà. Alors, faut que je trouve des caisses pour améliorer mon arme. Faire passer en niveau 2, tout ça. Niveau 2, niveau 3, niveau 4. J'y crois moyen. Oh, une paire de loches. Paf. Une paire de loches. Yes. Oh, une autre paire de loches. I need you, loche summonée.
Attends, il y a un bip à côté du poisson. Bah quand je m'en approche, oui, pour me donner son... Pour me donner son indicateur. Enfin, comme quoi il est là, quoi. Donc j'ai de la loche. Balise, j'en ai plein. Et vieil arlequin. Ça ressemble à quoi, le vieil arlequin ? Ah d'accord, c'est lui, c'est le tout rayé. Loche et vieil arlequin. Ah oui, le poisson beach. Le poisson qui beach. Oh, le gros. Quoique j'ai pas encore utilisé mon... Aouh ! Coup de nageoire caudale. Ah mais il est au milieu de tous les poissons, j'arriverai... Oh. J'ai pas encore utilisé ma... mon truc de sous-marin. Oups. Yes! Sous-marin! À la maison! Ah! Amélioration? Non. Choc, non. J'oublie de ramasser... Ah, des munitions. J'oublie de ramasser les cordes aussi. Et toi. Des hérissons. Il y a des munitions ici. Attends, c'est pas lui le... Si, c'est lui. C'est eux. Non, c'est pas eux. Non, c'est rang écriture. Chaque fois, je les confonds. Tu peux me lâcher, toi. Ah. Tu vois, on l'entend le bip, là. Pour me dire qu'il est là. Oh, t'es sérieux, hé. Je peux y arriver un jour à l'avoir, lui. Voilà, merci. Bloup. Non. Non. Alors, nouvelle tentative. On va lui revider un chargeur. Ou alors, est-ce qu'il faut le faire à la méthode Pokémon ? J'ai trouvé que des infos contradictoires. Ah merde! Il y en a qui disent qu'il faut upgrade les tranquillisants pour avoir une chance de l'endormir. D'autres qu'il faut leurrer vers un autre poisson et le taper à ce moment-là. Ok. Mais il mange pas de poisson. Bon, si je tape à côté.
Ah mais la dose que je lui mets quoi. Putain. Bon quand je le touche. Dès qu'il s'éloigne trop, il veut pas. Il reste à côté de son épave. T'as une corde là. Ah, j'ai oublié d'envoyer Jean-Michel aller chercher la mayonnaise. Allez, next. Long bec. Vas-y, viens. Et des bisous, Willaft. Ne nuit. Tiens, une fléchette. Attends, j'attends qu'elle disparaisse. Jamais. Elle a disparu. Je vais lui retirer une fléchette. Attends qu'elle disparaisse. Hop, un chargeur complet dans la nue. Eh ben, il s'endort pas. Il y a même pas les trois petits points au-dessus de sa tête hein, qui dit qu'il est étourdi et qu'il va s'endormir, quoi. C'est un peu gonflant, quand même. Oh ! Il est inconscient ! J'ai réussi avec le squeak squeak. Ok. Eh bah tu vois, encore une autre info contradictoire, je l'ai eu avec le squeak squeak. Bon. Eh bah, c'était bien de la merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Genre, je vais aller chercher les cordes. Il me faut des étoiles de mer fragiles. Et les vieilles harlequins. Et si je trouve aussi d'autres marlins. C'est pas toi que je cherche. Ouh, les bariolés. Non. J'avais besoin d'oxygène. Hein ? Merci quand même du coup de Chou hein, d'avoir essayé de chercher. Tiens, bah du coup, j'ai quand même les fléchettes tranquillisantes. Je peux récupérer d'autres poissons pour le Pokédex. Voilà. Il va y avoir de la corne. Là. Ah. Oh là là, l'esquive. Non, c'est pas ça que je cherche. Qu'est-ce que je peux avoir ici, là? Là, je suis dans le moyen. Les poissons, les clowns grenouilles.
Rouget de roche. Oh, les tazards rayés. Comet macro. Pas eux. Non. Si, peut-être. Si, c'est eux. Voilà. Donc là, il y a les trois petits points au-dessus de sa tête qui me dit qu'il va s'endormir. Voilà. Hop, tazar rayé, c'est fait. Ensuite. Clown grenouille, rouget de roche, vieil harlequin. J'arrive sur du 130. Allez. Rien d'intéressant. La paire de loches. J'arrive pas à trouver les vieilles harlequins. Niveau 2. Oh, toujours pas. Ah, un harpon tranquillisant. Ça, c'est pas mal. Mais ça fait quand même des dégâts. Toi, tu me laisses tranquille. Je vais remonter juste un tout petit peu, voir si je trouve les autres. Non. Ah ! Je l'avais pas vu, toi. Il n'a rien à foutre, lui. Oh putain, je l'ai endormi. C'est vrai qu'en fait, pour les choper après les... Ah ouais, donc en fait, eux, pour les choper, il faut les endormir et derrière, faire un coup de sous-marin. Les grosses prises. Ça va me demander de la thune, ça, parce qu'il faut que j'améliore les sous-marins. Enfin, que j'en ai plusieurs utilisations. Oh oui ! Merde, j'aurais dû endormir, quel con. Un vieil harlequin. Oh bah les clowns. Les clowns grenouilles. Clown grenouille. Lâche-moi. Va s'endormir. Yay. Clown grenouille. J'aurais dû choper le vieil harlequin en... En 3 étoiles. Ah bah tiens, il y en a un là. 2. Hop. Et hop. J'ai du vieil harlequin. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Rouget de roche. Comète macro. D'accord, donc c'est un... Turquoise blanc, mais avec une queue... une nageoire verte. Oula, les tout petits. Tout petit bleu.
Karang à gros yeux. Ça va être simple tout ça. Ah mais genre c'est toi en fait. Ah non, pêche cabane. Oh vas-y, je pense que je vais descendre. On va aller chercher les étoiles de mer fragile. Here we go. Bonjour. Yes. Il y a de la corde. Je peux le taper depuis... Oui, je peux. Je peux l'endormir. Il est rapide même en bullet time. Hein. Bon, je me mets à côté de lui et... J'essaie de l'endormir. Ah merde, j'ai tué. Ok. Alors, il me faut les étoiles dégueulasses. Pour d'ailleurs améliorer les fléchettes. L'ogre, je crois que je l'ai déjà eu, lui, en 3 étoiles. Stop. Ah oui, non, c'est vrai. M'embête. Il me faut de l'oxygène. Même si j'ai une bouteille. Ouch. Arrive le scooter. Là, c'est la réserve. Tiens, je vais passer par le haut. On va prendre un peu notre temps. Je t'ai déjà eu, toi. Ah! Dorade rouge. Ok. Shit. Garde le tranquillisant. De l'oxygène. Le chikungunya.
Faut pas me donner de l'oxygène, c'est chiant. Ouf, faut pas que je me fasse toucher, moi. C'est risqué ce que je fais. Une. Ah. Yes. Yes. Ah là. Ça paye. Plus beaucoup de place. Bon. J'en ai une. Merde. Et une bonne bouteille d'oxygène en plus. J'en ai une ou deux. J'ai que 3 cordes et j'en ai une. Ouh, je suis limite. Mais les plongées qui n'en finissent plus, quoi. Ça fait 3 quarts d'heure presque qu'on est sur le même truc. Ah, le gros machin. À la limite, je vais peut-être l'affronter une fois que j'aurai fini de faire mon petit tour. Mine de rien, il a de la viande. Est-ce que je peux t'endormir, toi? Fuck. Ah bah, il y a des munitions ici. Je vais peut-être pouvoir endormir. La main. Putain, mais d'habitude, il y en a toujours des... Des étoiles moches. J'en trouve pas une seule, là. Attendez, on va faire la technique d'Animus. Ah, ce n'était pas un spoil. Fusil éclair. Ok. Ok. Il va mourir avant. Ow. Ah, une autre étoile moche, enfin. Et de deux. C'est pas trop tôt. Vous avez déjà chopé, vous, ou pas? Merde, lui, oui. Hop là. Moins sûr. Mais non, carré Proctus. C'est le nom scientifique de l'anus carré. Allez, donne-moi des étoiles moches. Ah. Ouais, mais lui, ça, j'y arriverai pas, lui. Ah.
lâche-moi. Il y a la méduse qui me fait chier. Tu dors, toi? Ah oui, il va s'endormir. Mais est-ce que je pourrais te récupérer? Te cueillir? Oh, il s'est pas endormi. Encore une fois. Hop là. Non, il veut pas s'endormir. Oh, tranquillisant 3. Ça, je dis pas non, ça. Aïe! Yes. C'est yes. Ça, c'est beaucoup moins yes. Ça, c'est beaucoup moins yes. Ah, une moche. Enfin. Il m'en manque plus qu'une. Alors, les rascasses, on peut enlever. Je sais même pas pourquoi j'ai ramassé le cuivre. C'était pour le lol. Corde, je garde. Arlequin, je garde. Ça, je garde. Poisson, ogre, je peux leur donner. Ténophore, je n'ai pas vraiment besoin en vrai. Si je peux m'en débarrasser. Voilà, tout ça, je peux m'en débarrasser. Voilà. Et là, on est bien. À limite, lui, là, le poisson chiant, là, si je peux l'endormir, ça fout. Ah, lâchez-moi! Yes, il est endormi. Cool! Le squal à lait féroce. Nous sommes partis. Aïe, dommage. Allez, je veux ma dernière moche. Gimme ma last moche. Comme par hasard. Comme par hasard. Aïe. Pas me la donner, hein. Oups. Oups. Okay. Wow. Il a essayé de me la prendre, hein. Il y a un petit trou ici, peut-être qu'il est dedans. Si on utilisait la lampe de poche. Un petit... Ah, le calamar de compagnie! Petit poulpe. Petit poulpe choupi. Il est là! Oh, il a peur. Je crois que je viens de voir le calamar domestique de l'hygiène. Merde, il est passé où? On peut pas aller vite. Là! Oh! Te voilà! Ok, je suis sûr qu'il est à l'intérieur. Devrions-nous aller voir? Ben oui! Là! Il semble s'être un peu calmé. Essayons de l'attirer à l'intérieur. Essayons de mettre de la nourriture de qualité supérieure. Que Michel nous a donné ici. Je m'éloigne. Ah non, d'accord, il fallait que je la dépose.
trop mignon. Miam 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 miam. Connerie. Là-bas, utilise le fil à insecte pour attraper. Très bien, amenons le calamar, Alice. Ok. Cool. Mais il me manque toujours une étoile moche. Chier. Oh non, je vais pas rentrer bredouille comme ça, là. Une moche, quoi. Si rare d'habitude. J'espère qu'il y en a un dans le trou, là. J'y crois moyen, mais... Ouais, quoique, il y a des trucs au fond, quand même. Hein. Non. Ok. C'est muni. J'ai pas l'impression qu'on la trouvera. Et c'est le fuck. Bon, vas-y, allez, on y va. Comme ça, au moins, ce sera fait. J'ai pas trouvé mes 4 étoiles fragiles. Et j'ai pas trouvé beaucoup de cordes aussi. Capture faite. Allez, on va voir Maïté dans un premier temps. Il y a une mission pour nous. Il n'y a pas de clients aujourd'hui. Le fait est que il y avait un collecteur d'algues nommé Tsushi. Le collecteur fournissait les algues à notre restaurant. Pendant que Tsushi ne vient plus, nous sommes donc en cours d'ingrédients et nous ne pouvons pas accepter les clients. Ou non, est-ce qu'il y a moyen de le contacter, Tsushi? J'ai la clé de la maison de Tsushi, mais je ne peux pas quitter le restaurant. Comment tu as obtenu la clé? Oh, Tsushi a une grosse tortue de compagnie. Je nourris de temps en temps. Dave, tu es à ma place, hein? Ouh, ça doit être difficile de ne pas ouvrir ton restaurant. Hein? Un pouvoir. Je vais essayer d'y aller. Peux-tu me dire où c'est? Le problème, c'est que c'est un peu difficile à expliquer car le terrain ne cesse de changer. Cette tortue mange tellement de méduses. Il y a peut-être des traces à proximité. Étrange. Je vais essayer de le trouver. Oui, le collecteur d'algues. Ok. Pas être évident, ça. Après, si c'est juste des algues, je peux t'en ramener, hein. Pardon. Fatigue un peu. Ah. Bonjour. Oh, tu es de retour. Mon ami avait quelque chose que nous... pourrions utiliser. Dans ce cas, je te prie de te mettre au travail immédiatement, Dave. Allez! Grosse épreuve. Merde. C'est dégueulasse. Ah merde. C'est pas parfait, hein. Mais ça fera le taf. Good. C'est good. Waouh, elle a l'air parfaitement intacte. Ouf, on dirait que j'ai réussi à bien la coller. Merci beaucoup, Dave. Nous n'oublierons pas cela. Pourquoi continuons-nous à avoir ces tremblements de terre? Semble arriver à des intervalles de plus en plus courts. Au roi long, protège notre village. 100 balles. Ah. Oh, il y a des missions. Oh, bah voilà, on les a débloquées. Le tableau des requêtes. 3 crabes araignées. 3 Nautilus Pompilius. Pompilius. Mais je les ai. Et des os. Pas des os. Bah après, c'est juste pour de la récompense, pour de l'argent, c'est un peu de la merde. Ah, quoi qu'il y a marqué 1.
Livrer les doigts-ils 1, chasser le crabe araignée 1. Donc, en vrai, il est possible qu'il y en ait un nombre limité. Du coup, j'accepte tout. Lui, c'est bon, c'est fait. Tiens. Livré. J'en ai ramassé plusieurs sur le chemin. Et j'ai bien fait. Là, j'en ai un, déjà. Ok, donc bah, je le marque. 3 crabes araignées. Oh, c'est juste à côté, ça. 3 crabes araignées. Et... un os de jambe, un crâne. Ok. C'est noté. Qu'est-ce qu'ils ont? On aurait pu aller, Marco. Quelque chose ne va pas? Humain, en fait. Maro a disparu. Je suis sûr que Marco est allé au lac sous-marin. Le lac sous-marin? Oui, c'est un lieu mystique et magnifique. Tenzin nous a dit de ne pas y aller car il y a un monstre effrayant là-bas. Le truc, c'est que... Maro a dit qu'il y avait une fissure dans laquelle nous pourrions passer. Je suis pas allé parce que j'avais peur de me faire gronder, mais je pense que Maro y a eu soit... Quel trouble fait. Où est cet endroit? C'est fermé, c'est une porte devant pour que personne ne puisse y entrer. Mais il devrait y avoir un panneau de signalisation à proximité. Ah, je l'ai déjà vu. Ouais. Le panneau porte ce type d'inscription. S'il te plaît, ramène Maro. Teddy sera furieux quand il apprendra. D'accord, je vais essayer de chercher. Un panneau avec une langue de peuple marin. Ouais, ouais, je vois où il est. I see where it is. Ah, une mission du forgeron. Oui. Je me sens un peu mieux après avoir mangé le porridge de corail. Par hasard, je me demandais si tu pouvais rassembler des minéraux pour moi. Des minéraux? Quel genre? Voici ce à quoi ils ressemblent. J'ai besoin d'une quantité assez importante, ça te convient? C'est de l'opale? Donc c'est ainsi que les humains l'appellent. C'est un minéral souvent utilisé par le peuple marin pour fabriquer des armes. D'accord. Je pense que j'en ai vu dans les profondeurs. T'en veux combien? 5. Eh bah, tiens. Eh bien, tu as rassemblé tous les ingrédients. Je suppose que je dois te remercier, humain. Ah, c'était vraiment rien. Vous vous sentez mieux? Bien, je devrais pouvoir me préparer pour le travail. Mais... le fruit de l'arbre divin est nécessaire pour extraire les minéraux. La chaleur s'est dissipée parce que je l'ai laissé seul trop longtemps. Je dois aller à l'arbre divin et obtenir des fruits. Je me sens toujours pas bien pour le faire. J'espérais que tu pourrais m'aider. C'est pas dans le texte. Tu parles du grand arbre à l'arrière du village? Que dois-je faire? Tu vas m'aider? Je vais te guider, suis-moi. Oh, j'ai oublié de me présenter, n'est-ce pas? Je m'appelle Doua. Très bien, Doua. J'ai plein de jeux de mots à faire avec ton prénom, toi. Allons chercher le fruit de l'arbre divin. Oh, les Douwap, vous vous souvenez de ça? Les fucking Douwap. Oh, de près, c'est magnifique. C'était pas pour... ah, ce n'était pas pour l'arbre divin, nous, le peuple marin, n'aurions pas pu survivre. Si ce n'était pas pour la... d'accord. C'était grâce au sacrifice du roi Long, nous sommes éternellement reconnaissants. Bref, ramenons le fruit de l'arbre divin. Cueille les fruits de l'arbre divin, mets-les dans le panier que je tiens. Mon corps n'est pas encore entièrement établi, donc je ne peux pas attendre trop longtemps. Rapporte-moi 5 fruits à temps. Cueillir 5 fruits de l'arbre divin et mettre dans le panier, c'est ça. Le mini-jeu... il est bourré de mini-jeux, ce truc. Ah d'accord, il faut que je... ah, je croyais qu'ils allaient tomber. Ah oui, non, mais easy, en fait. Pourquoi je me fais chier, alors? Ah, mais il bouge. Il a décidé de bouger. Ça passe pas. Mais easy, c'est easy. Success. Bien, ça devrait suffire.
Il est temps de retourner à l'atelier. Je le savais pas. Je suppose que je ne suis pas encore en mesure de voyager. En tout cas, merci, humain. Dave, c'est ça? Je vais essayer d'ouvrir l'atelier quand je récupérerai. Donne-moi un peu de temps. D'accord, Doua. Douap. Je passerai parfois, alors fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Oh, d'accord. 100 balles. Réouverture de l'atelier, putain, c'est beau. Vite, rouvre, rouvre. Je sens que tu vas apporter des trucs bien sympas, toi. Couille. Bon, bah ça avance. Ah, il y a un point d'interrogation là-bas. Oh, on fait des courses. Venez, on fait des courses. Oh, Celsio. Merci, humain. J'avais peur de ne jamais revoir mon animal de compagnie. Il était difficile d'amener ton animal ici. Je verrai à ce que cela ne se reproduise plus. Yes. Voici un autre cadeau pour toi, le portrait de Sergio. Oh ouais, je le mettrai dans le resto. Je vais l'accrocher au restaurant, merci. Yes. Passe au casino de temps en temps, humain. Cool, un portrait de Sergio. Mais oui. Trop choupi. Attends, je vais faire les courses. Enregistré. Ouais, j'ai pas de... Ouais. C'est du bof. Je le prends quand même dans l'équipe. Ah, je peux remplacer. Oh bah oui, tiens, je remplace lui. Bien sûr. Gérer. Il y en a qu'un qui est en forme, hein. Alors, est-ce qu'il est assez en forme pour pouvoir faire le truc ? Oh oui, il peut ! Allez ! Il a les meilleurs stats que tous les autres. Vas-y, on va leur mettre une piquette. Let's go. Allez, let's go ! Piquette, peut-être pas jusque là, mais en tout cas on l'a fait. Yes. Crash Bandicoot. Let's go. Oh merde, mais il y en a d'autres après derrière. Ah oui. Il y a le S. Ouais, mais là j'ai personne là. Là c'est en forme. 51. Ouais non, il est en dessous. Il est en dessous. Du coup, j'ai pas d'autres courses à faire. Ah, remarque, course par équipe. On peut le tenter, ça. Ah, mais j'en ai que 3. Après, si, je peux peut-être enregistrer un niveau 2. Pourquoi remplacer ? Non, moi, je veux le... Ah, recruter. Vas-y, comme ça on fait une course par équipe. Et on les défonce. Allez, let's go. Là, par contre, on va vraiment les défoncer là. Prêt ? Alors, comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est comme d'habitude jusque-là. Ah ouais, c'est une course 4 fois plus longue, quoi. Pour rebourrer. Ah merde! Ah oui, d'accord, ok. Et faut passer le flambeau, quoi. En fait, faut les faire se bonquer, quoi. Allez, vas-y. Merde, putain, mais...
LB. Ah, LB! Putain, j'appuyais sur L. LT. D'accord, ok, ok. Je comprends maintenant. Ouais, c'est ça, et c'est pour éviter qu'on. On garde notre vitesse. Ok. Il est marrant quand même, lui, à s'agiter, là. C'est vrai que je vous le montre jamais, mais sous moi, il y a le plan. Ça vous montre où sont les autres participants sur la map et tout. Yes. Let's go. Je sais pas si je peux le retenter, parce qu'il y en a un qui est crevé, je crois. En fait, il y en a trois, ils sont tous les trois crevés. Mais ils sont quand même meilleurs que... que les autres. Vas-y, je le fais quand même. Là, comme ça, ils seront bien tous crevés. Par contre, c'est méga long comme truc, hein. Il est immense, lui. Là, je suis bien en avance, là. Allez, je vous montre. Ah, oh, putain. Je peux lever trop tôt. Ils ont fait que la moitié les autres quoi. Alors que les miens ils sont au bout de leur vie mais. Allez let's go. Ok. Oui. Putain j'ai masse de thunes. Et je sais pas quoi en faire de ma thune pour l'instant. On va gagner plus de thunes. Bon. Bah, c'est tout pour les courses hippiques. Enfin, hippo-hippiques. C'est le cheval de mer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un point d'exclamation là-bas. C'est peut-être pour sortir. C'est vrai qu'avec toute la thune que j'ai maintenant, je pourrais peut-être... utiliser le beluga hein, pour aller plus vite. Comment ça, il y a un point d'exclamation encore? Ah, il y a une nouvelle mission. Encore des nautilus. Go. Et bah vas-y. C'était bon. Et de l'améthyste. Bah j'ai bien fait aussi de... Je peux pas... Ah si. De le prendre sur le chemin. Let's go. Bon tampoil, pot à papouet. Ah oui, je devais aller. Bah oui, on devait continuer l'histoire. Retournons le voir le lendemain. Alors. Où tu es de retour, humain? L'entrepôt des profondeurs est un ancien entrepôt abandonné du peuple marin. La clé du passage glaciaire se trouve à cet endroit. Suwam te guidera, bonne chance.
Oh, je croyais que tu t'étais enfui, humain. Swam, le meilleur guerrier du peuple marin, te guidera jusqu'à l'endroit, suis-moi. Oui, tout à fait. Ça va reparler, je le sens. Ah, c'est là. Ok. Ici, humain, va me chercher la clé du passage glaciaire. C'est si morne et sombre. Pourquoi cet endroit est-il fermé à clé? Je suis pas sûr. J'ai entendu parler de peuples marins fous enfermés quelque part. J'ai entendu dire que les fous attaquaient d'autres peuples marins. C'est il y a des milliers d'années. Les peuples marins ne vivent qu'environ 300 ans, donc ne t'inquiète pas. Je suis nerveux. Tu viens avec moi? Je suis le meilleur guerrier de mon peuple. Tu veux que j'accomplisse une tâche aussi banale? Je vais rester ici et protéger la zone. Dépêche-toi et apporte-moi la clé. Je savais que tu n'irais pas. Elle est cachée dans l'une des zones les plus profondes. Cherche une pièce avec une fresque. Fais-moi savoir quand tu es prêt, humain. Non. Non, vu comment je suis blindax, je vais remonter. Des bisous, toi. Moi, je m'en vais. Ok. Loupoutou. Ce sourire. Yes. Ouais, tout. Je garde rien. Ok. Oh, tu as apporté le nouveau fichepon à notre collection. Un poisson perroquet avec un casque décor. Les lecteurs sont fous. Je suis impatient de voir combien d'exemplaires du prochain numéro seront vendus. Parce qu'il sera publié lundi matin. Lorsque le numéro sera sorti, tu t'apporteras une rémunération pour ton travail. Continue à faire du bon travail, Dave. Eh bien, si je reçois une rémunération pour cela, pour être une activité secondaire intéressante pour le week-end. Ok. C'est... Oui, non, c'est-à-dire... Fichemon. Ok. Bah, c'est tout. J'ai capturé des nouvelles choses. Oh. Des hippos. Putain, on a bientôt fini le... Ah ouais. Il reste que deux, un boss et une tortue. Ah. Ok. Bon bah c'est bon, tout est vu là-dedans. Les tâches. Oh putain. Trouver le collecteur d'algues. Ok. Salut Cosmozo. Bonsoir, on va y dormir. Bonne nuit Cosmozo. Yes. Les panneaux sur le sous-marin, d'accord. Le panneau. Livrer les fossiles. Crabe araignée. Nez qui chatouille. Et ouais. Ok. Alors, farm now. Il y a une mauvaise herbe. Ah, je me suis rasé tout à l'heure pour l'instant. Pourtant. Oh, il est en train d'agrandir le machin. Vas-y, Otto. Allez, Otto. Allez, arrosoir 2, tiens, allez. Je suis chaud. Allez, arrosoir 3, je suis chaud aussi. Un arroseur automatique. C'est du génie. Oh. Oh yeah. Cool. Eh ben on peut aller récupérer le reste. Donc là j'ai plus qu'une étoile du coup de mer fragile. Ah oui, envoyez Jean-Michel. Direction sushi. Jean-Mi, va me chercher de la mayo. Enfin, c'est peut-être pas de la mayo qu'il me faut en vrai. Hein. Faut que je check.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Œuf. Oh, on peut faire le poké hawaïen. Ça a l'air bon. Let's go. Waouh. Ok. Ah putain, je suis con. De l'ail. Kajime. Kelp du sud. Ah, zone glaciaire. Intérieur de l'épave. Viande de voilier de l'Indo-Pacifique. The fuck? Donc, œuf, tomate cerise, ail. Œuf, tomate cerise, ail. C'est vrai que je pourrais engager aussi. Les bons en expédition. Ko. Pourquoi il a deux H? Ko. Je choisis. Je recrute. C'est oui. Tu vas me trouver. Bah ouais, mais en fait. Vas-y. Pas ouf. De la sauce soja. 2-5. Vas-y, go. Bah les deux en fait. Allez, vas-y. Les deux partent me chercher de la sauce soja. Voilà. C'est bien. Ingrédients, on s'en fout. Ok. Oh, et si, bien sûr. Where is it? Ah, c'est nouveau, ça. Enceinte moderne. Il est où? Non! Non, mais il est où? Je nide. Mais oui! Le portrait de Sergio. Non, j'applique. Oh là là. Mais il est pas trop choupi. Disait oui. Mouton. Ok. Bon. Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle zone ? Vous savez quoi ? Ça va être une autre petite plongée un peu nulle. Et je vais chercher les os, l'étoile qui me manque, les crabes araignées et surtout les cordes. Et on va se grouiller un peu, tiens. Pas trop attendre. Toi, je t'ai eu. Je vends. Un peu sombre. Harpon point de choc. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Le platax. Je peux changer d'arme, tiens. Ah bah tiens. Le marteau qui endort. Bien ça. C'est la corde. Juste chercher les marlins avec. Ah l'éclair. Toi tu fais pas chier, toi. Bon bah, on va pas manquer de sauce soja. Merde, je l'ai réveillé. Oh allez. Je vais utiliser mon... Ah putain, j'aurais dû reprendre mes fléchettes. Au lieu du filet.
corde. Et de deux. J'en ai eu quatre tout à l'heure, je crois. Non. Donne-moi les fléchettes. Aouh. Oui. Paf. Et une raid capturée. Une raid capturée. Oh, ça marche quand même. Ça marche quand même. Allez, des bisous. L'arrêt pastonag. Ça, trop bien. C'est un des trucs chiants à récupérer en plus. On a un max en fait hein, en 0.30, en 0.5. Chez moi. Aïe. Aïe. Pas de corde, c'est bon, on descend. Qu'est-ce qui se passe? La baleine! De la famille de la baleine à bosse que j'ai rencontré plus tôt. Bah, je prends une photo. Bah ouais! Avec le baleineau! L'eau qui éclabousse. Merde, je me trompais de bouton! On recommence. Putain, je me suis trompé de bouton! J'ai appuyé sur X au lieu de A. Oh. Oh merde, c'était un one shot. Il vient de passer. Il ne reviendra pas avant un moment. Alors attendons le prochain tour. Oh merde. Mais je croyais que c'était X. À chaque fois, c'est X. On doit appuyer sur X tout le temps. Pourquoi là, d'un coup, c'est A? Nick. Tiens. On descend. Nick. Nick. Ils vont se bouffer entre eux. Oups. Voilà. J'ai. C'est cool. Putain, j'ai pas regardé s'il y avait vrai, il y avait des ossements. Pas bien regardé. Ça fait le ménage. Hein. Le choc. L'éclair. Ouais, c'est ça. Oh, mais attends. Toi. C'est un rouget de roche. J'aurais dû le prendre au filet, je suis con. Quel crétin, quel crétin. Tranquillisant. C'est un coquillage. Des rougets. Fuck. Merde. Salut Frizen! Comment vas-tu? Ah putain, mais ça les one shot. Ah, mais attends, je suis con. Ah oui, mais non. T'aurais jamais avec ça, moi. Bon, bah, il va falloir que je trouve des munitions.
Putain, j'en ai passé 50 fois des munitions. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? C'est trop petit ces trucs là, non? Ah non, c'est des trucs à tête bleue! Ah merde, ça aussi, il fallait que je les attrape. Oh, et d'autres rouges ici! Donne-moi des munitions. Donne-moi des munitions. Donne-moi des munitions. Donne-moi des munitions. Nick. Au camp nain. Donne-moi des munitions. Très bonne, et toi? Ouais. Pas oufissime. C'est la journée de j'ai fait les trucs que je devais faire, quoi. Ah, yes. Merde. Oui, c'est lui que je voulais. J'ai fait mes montages de vidéos et envoyé 2-3 mails. Journée bof, journée banale. T'es sérieux? Merde, va tant mieux, tiens. Hop là. Une loche. Et c'est un os de pied, c'est exactement ce que je voulais pas. Des munitions. Alors. Yes. 3 pour Sky. 3 rougets de roche, niveau 3. Et du coup, bah, il va falloir que je remonte un petit peu. Parce qu'il y avait le poisson que je cherchais tout à l'heure. Et attendez, vous là! Ne sauriez-vous pas? Et si, des comètes macro! Cool! Eh bah, comète macro niveau 3 aussi, c'est bon. Cool. Cool, 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 cool. Et c'est lesquels que j'avais repérés? C'est tout petit bleu. J'ai déjà? Oh, je les avais déjà en fait. Ah, ou alors j'étais tellement haut que... Ah bah non, je suis dans les hauts fonds, c'est pour ça. J'étais pas sur la bonne page. C'est eux, les Malcantes à tête mauve. La mer est accueillante aujourd'hui. Bah, ouais. Ils me donnent pas tout ce que je veux, mais ça va. Elle est... Elle est comme elle est. Toi, je m'occupe de toi après. Ils sont où les petits? Je les ai repérés, ils étaient là. Les petits bleus. C'est eux. C'est lui. Ces petits-là, là. Bam! Je l'ai eu. Pas simple. Malcante à tête mauve, niveau 3. Ça, c'est bon. Let's go. Le rocking. Il est où? Bonjour. Aouh. Ok. Oups. Un poil trop loin. Une écaille trop loin. Oh, il est endormi. Oh, dommage. T'as de la chance que j'ai plus de charge. Deux sous-marins. Ah. Nice. Avec un petit coup de marteau à la fin. Wick. Bon, qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Je vais rester tout à droite. Parce que je crois que c'est là qu'on croise le truc qu'on va chercher là avec le passage là. Ils nous ont parlé tout à l'heure. Encore un pied, putain, mais ils font chier, je veux le reste. Je veux une jambe et un crâne, ils me donnent que des pieds. C'est du nain mes pieds. Non, c'est lequel ça?
Ça c'est ouais non, ça c'est pas le bon. Ça c'est pas le bon. Oh, 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 oh. Toi je prends les vieilles harlequins. Ça va me faire des gros plats. Ah Nick. Ah il m'a feinté. Il est allé d'un gros. Il est allé à côté d'un gros chien. Viens là. Voilà. Toi tu vas faire des bons sushis ce soir toi. Oh, mettez-moi tous ces poissons. Oh putain, ils ont réussi à se séparer au dernier moment. Corne, hein. Pas de corde. Ça se rattrape avec ça? Ah oui. Oh, c'est passé. Bon, en vrai, on s'en fout. Oula, 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 oula. Genre. Remonte. Allez. Allez. Ouais, ça passera pas. Hein. Voilà. Oh. C'était le dernier shot. Une corde. Vraiment? Vraiment. Faut pas que je les ramasse, elles sont trop lourdes. Alors, je vais essayer de trouver cet endroit à la con. On nous a demandé de trouver. Mmh. Alors, c'est pas là. Il y a une corde. Je prends Edge, je m'en fous. C'est plus bas. Et donne-moi mon étoile moche. Oh, ça passe. What? Un fragment de méduse. Peut-être que c'est un reste de ce que la tortue du collecteur d'algues a mangé. Suivons-le. Ah, j'avais autre chose à foutre, moi. Plus tard. Je suis après. Ah, il y avait aussi ça qu'il fallait que je récupère. Les araignées crabes. Oh, putain. Ça doit être le panneau menant au lac sous-marin. On parlait des enfants du peuple marin. Tu m'as dit que Maro n'était pas encore revenu, n'est-ce pas? Je vais peut-être suivre le panneau. Tu, à qui il parlait? Un crabe araignée. Un crâne. Ah bah quand même. Reste plus que l'os de jambe. Et l'araignée moche. Et l'étoile moche. Étoile moche. Pioche.
échec. Oh, le lance-patate. Enfin, la deuxième fois qu'on le touche. Testons, voir comment ça... comment ça marche. Ok. Ah, il se protège, genre. Ah ouais, hein. Il s'enfouit. Ok. Est-ce la porte du lac sous-marin ? Les roches effritées bloquent le passage. Il semble que nous ayons besoin d'une pioche. Heureusement, j'en ai une. Si on l'utilisait. Après. Je veux d'abord récupérer tout le reste. Ah, c'est l'étoile violette, c'est pas celle-là que j'ai besoin. Alors. Une étoile moche. Je veux une seule étoile moche. C'est tout ce que je veux. Et de la corde. Ah, toi-même. Ok, go. Ah, pardon. Je me disais, putain, je regardais quand même la VOD, je me dis, putain, on en a combien, là ? Une heure et demie. Donne-moi mon étoile. Ah ! Non ! Un autre crâne ! Tiens ! Lance-patate ! Dans la bouche ! Si t'étais un boss de Zelda, tu serais mort. Ah, il est bien, mais... Quand il est pas augmenté, il est quand même moins fort que le quadraxel. Quadroaxel. 11-5. 11-5. Ah, attendez. Je vais enlever 2-3 trucs. 4 cordes. Putain, il m'en manque plus que 2, j'ai l'impression. Hein. Ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Ça aussi. Ça aussi. Regardez. Oh, ça fait 3 viandes chaque. Le cténophore, j'enlève. Lui aussi. Ok. Jeté. Voilà. Et de la place. Putain, je n'ai pas croisé une seule d'étoile, hein. D'étoile de mer moche. C'est ouf. Encore une violette. Putain. Méga chiant. Oh, toi, ta gueule, toi. Méga chiant. Oh putain, la v'là. Enfin une étoile de mer. Moche. C'est bon, j'ai les 5. On peut remonter. Enfin, pour mettons. Pour remonter. On va aller dans l'endroit où il fallait aller. Par contre, c'est dommage que j'ai pas croisé plus de... Ah bah, il y en a peut-être en bas. C'est combien ? 3. 3 crabes araignées, là. J'en ai qu'une seule. Non, il n'y en aura pas.
Ah, il y a un rocher. Non, c'est pour un truc enfoui. Ah, dommage. Dommage, dommage. Du coup, direction la caverne. Putain, c'est con. Pareil, hein, au niveau des rochers, j'ai l'impression que quand il y a des rochers qui pop, enfin, quand il y a un ennemi qui pop, qui est dans le sol, il pop avec les rochers, mais généralement c'est soit une, soit un crabe, soit un truc enfoui. Il n'y a que des enfouis, là. Le jeu, il est pas coopératif, là. Pas sympa. Alors, la caverne. Je suis allé jusqu'au bout, hein. Je suis allé tout en bas pour aller choper ce machin. Allez, let's go. Super! Toutes les roches sont parties maintenant. On dirait que la porte s'est effondrée à cause du tremblement de terre. Entrons et tout vont marron. Ça pue le boss. Bricks the boss. Ah, c'est une zone. D'accord. Bonjour. Et au hasard, il y aurait pas des araignées crabes. On joue à que dalle. Ah, bah zone de boss. Ouais. Wow, ça doit être le lac sous-marin. Voir un lac sous la mer, c'est vraiment incroyable. Je vais peut-être prendre une photo. Et là, paf, le boss qui apparaît. C'est vrai que c'est joli. Comment ça? Lac sous-marin. Éviter le brouillard. Ah! Ah oui, d'accord. Ça va être difficile d'éviter le brouillard, il n'y a que de ça. Ah. Voilà. C'est un oui. Et c'est un boss. C'était quoi ce bruit? Oui. On se patate. Ouais. Oh putain! Un requin gobelin. Oh humain, tu es venu me sauver! Je suis ici pour te secourir, mais quel est ce monstre? Oh. T'es venu jeter un coup d'œil au lac, c'est là que... Bonjour. Goblin Shark, le requin gobelin. Le fameux. Oh, c'est un problème. Je vais devoir trouver une solution. Casse-lui la bouche. Tiens. Ah bah oui, bravo. Très bon joystick, ça. Mon cher Michel. Tiens. Fait beaucoup de bruit, quand même. Yes. What? Quoi U? Fermé? Je loot. Attends, il y avait des munitions là-bas. Ow! Toujours plus de bruit. Oh,
Ah, merci. Il a baissé la tête. Mais c'était easy, ça, que ce boss, là. C'est vraiment pas dangereux. Hein. Limite, les marlins sont plus chiants. Viande grasse de requin lutin. C'est le requin lutin, voilà, en français. Pas le requin gobelin. Comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une boîte de munitions. Sympa, cachée. Ouf, je l'ai à peine vaincu. Haha, merci humain. Que fais-tu dans un endroit aussi dangereux? Eh bien, je voulais voir le lac sous-marin. Merde-moi ce gamin, retournons au village. Mette-moi ce petit con. Et un stat épée au village. Maro, je m'inquiétais pour toi. Je suis désolé, j'avais envie d'y aller. Comment c'était? C'était beau? Il y avait vraiment un lac dans l'eau? J'ai pris une photo, vous voulez la voir? Oh, incroyable! Waouh! Je sais que vous êtes déçus, mais contentez-vous de la photo. Il y avait des monstres dangereux là-bas. D'accord. Merci de m'avoir sauvé. Je ne quitterai pas le village maintenant. Thune! Yes! Oui! Ok. Et une nouvelle mission. C'est quoi? Minerai d'opale. J'en ai encore. C'est oui. Et 8 clignonnes. C'est livré. C'est oui. J'en avais en réserve. Bon bah j'ai pu en avoir qu'un. Ah, le crâne. 3 autres pieds maintenant j'ai. On chie avec leurs fossiles. En un mot. Il y a un point d'exclamation. Il y a 20 000 missions. Pourquoi ça brille en dessous? D'accord. Ah, c'est vrai que je t'ai... jamais vraiment aidé, toi. Oui, les livres. Quel livre? Humain, content de te voir. Il y a un livre qui contient les paroles célèbres du roi Long. Je ne le retrouve pas. Je voulais le lire ce soir en m'opposant. Où est-il? Je dois l'avoir emprunté. Emprunté, où ça? Au temple de Nyamo, bien sûr. Le temple possède de nombreux ouvrages sur l'histoire et la doctrine du peuple marin. Oh humain, peux-tu emprunter un autre livre du temple pour moi pendant que je regarde autour? Il s'appelle « Il y a des peuples marins mutants au sous-sol ». Et tant que le roi... roi, je ne peux rester les bras croisés, je dois faire quelque chose, volume 2. C'est un long titre. Il s'agit d'un roman qui décrit les grandes batailles du roi Long. Peux-tu emprunter le livre pour moi au temple? J'ai emprunté le volume 1 avant. Yamo devrait savoir. Putain, mais ils m'ont pris pour un... Quoi? Sans le roi Long, le peuple marin aurait déjà disparu. Ah mais non, mais j'ai fait... Ah mais non, d'accord. Je voulais sortir par la fenêtre derrière chez lui, mais... C'est là. Ah là là, il m'a pris pour un livreur. Au secours. Dis donc, pour des gens avec une queue de poisson, vous êtes très statique, hein. Vous pouvez vous bouger vous-même, ce serait plutôt sympa. Cordialement, bisous. Ce que je vais faire... Ah, le point d'interrogation là-haut. Le point d'interrogation là-haut... Bon, allez, vas-y, vite fait. Vite fait, après je rentre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, oups. J'ai l'impression qu'il est derrière, mais en fait, non. Oh humain, qu'est-ce qui t'amène ici? Le propriétaire du magasin de graines m'a demandé d'emprunter un livre. Le livre était très long. Je l'ai oublié. Je comprends. Kazin lit toujours des livres étranges. Nyamo m'a dit que tu saurais lequel car il avait emprunté auparavant. Tu t'en souviens? C'est un livre que Kinzil a emprunté. Pourrait s'agir de l'un des trois? Ah! Oui, c'est ça.
C'est lui. C'est peut-être ce livre. Et si tu l'emportais avec toi? Oui, c'est la meilleure solution. Merci. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Que le roi long te protège. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a des zombies au sous-sol, tout ça. Oh, flemme. J'ai dit flemme. Bah, il veut pas que... J'appuie sur la touche bas et il me dit non. Quoi, je peux utiliser le machin que... Ah, attends. Je peux pas l'appeler d'ici. Ça marche pas? Ah, il va se passer un truc sur le trajet, c'est ça? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, et là il veut bien. Bon, tant pis, je suis à côté. Vas-y. Pang pang. Let's go. C'est bon. Ce livre. C'est celui-ci. Il y a des peuples marins mutants au sous-sol. En tant que roi, je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois faire quelque chose au lume 2. Bravo pour l'avoir trouvé. Génial. Je lirai ce soir en buvant du vin d'algues. Putain, tout ça pour ça. Pas vraiment un cadeau, mais s'il te plaît, prends ceci. S'agit-il d'une graine? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de graines d'algues, très savoureuses cultivées dans notre village. Oh, pour être un peu difficile à cultiver à la ferme. Allez, les installations humaines, eh. Essaye d'aller voir le fermier du village, Goumo. Si tu es chanceux, Goumo pourra peut-être aider à cultiver les algues. Ah, donc ça veut dire que je vais avoir un potager à la surface et un sous l'eau. Oh, faut s'occuper de beaucoup de choses, là. Et bah ça, les amis, ce sera la prochaine fois. Nous, on a des sushis à faire. Let's go, sushi. Mine de rien, je suis à 1h52 de VOD, là. Il suffit. Les runs sont trop longs, maintenant. Lance-grenade. Ah oui, l'étoile. Amélioration pêche. On va améliorer les fléchettes. Non, rien. Ok, aucun butin, ouais, incroyable. Poum. Tac. Weapon shop. Upgrade. Pistolet tranquillisant. Voilà, niveau 2. Fucking weeb. Ok. Bon, alors c'est bon, là j'ai les fléchettes silencieuses améliorées niveau 2. Et si j'arrive pas à choper les fichements avec ça, ça suffit à la fin. Qu'est-ce que j'ai comme musique? D'accord. Marinka. Ah oui, un gobelin. Ok, je voulais voir quoi aussi. Ah bah oui, du coup j'ai pas l'upgrade encore pour le netgun. 8 sur 10, j'avais même pas l'or d'ailleurs. Donc il me manque bien 2 cordes. Alors. 2 cordes. Et là même normalement, je devrais avoir... assez pour faire plein de plats. Les gros assortiments de sushis là. Juste avant. Des herbes arrachées. Là. Yes, et normalement demain on aura un agrandissement. Sushi. Let's go. Watong. J'ai pas de feu.
Alors voilà, c'est lui que je voulais améliorer. Oh putain. Oh putain, oui. C'est oui ça. Ça suffit. Dommage, je peux pas le faire au niveau suivant, il me manque un peu de riz. Putain, ça passera à 670. Ah ouais, non mais c'est vraiment le truc qu'il faut améliorer ça. Ça c'est vraiment le truc. It is the truc. Mayonnaise, graines de sésame, riz, thon jaune. Oh mayonnaise, non. Je suis pas un fan de mayonnaise. C'est vraiment le truc, je comprends pas ça. J'augmente tout. Putain, ah ouais, sushi marlin, il va envoyer du lourd, lui, hein. 212, 222. Ah ouais. Dans deux jours, quand on va avoir l'event, ça va être bien sympa, hein. Putain, j'en ai des trucs. Ah mais j'utilise des ingrédients pour... Je suis con. Ça c'est parce que j'ai chopé un peu de tout aussi quand je prenais les poissons niveau 3. Sauf que là, je viens d'utiliser des ingrédients pour faire l'assortiment comme un connard. Ah non, ça va, j'en ai encore largement assez. Cool. Donc, on va faire les deux. Ce qui fait 12 plats. Ça, c'est pas mal. 12. Ouais, vas-y, allez, je vais en mettre 22. Et le reste, j'en mets qu'un seul en auto-appro. Et au pire, je mets lui aussi en auto-appro. Ou alors, le ton jaune de Camille. Non, Marlin, il faut que je le garde, je suis con. Tiens, vas-y, sushi ton jaune, j'en ai beaucoup. En auto-appro. Voilà. Et là, je pense que ça va être pas mal. Let's go. Let's go. Wow. Je peux les sauter. Alors ça, je peux les laisser, hein. Ils sont très bons sans moi. Je peux y aller, mais tranquillou. Je peux les sauter. Je m'occupe de nettoyer. Ah, j'allais le faire. Ah merde, il est à l'autre bout. J'arrive. C'est pas la gueule. Oh, c'est passé en perfect. Oh merde, je voulais le faire. Il fait le toit. Là-bas, c'est dégueu. C'est assez easy, la bière, en vrai. Ça, c'est peut-être parce que j'en bois beaucoup, IRL. Allez, let's go. On peut peut-être passer au niveau suivant, là, hein. Let's go. Ouais. 10 000 balles. Et 5 points. 5 flammes. Wadong, wadong. Pouk. Il va falloir arroser. Oh. Bonjour. Ben, un merveilleux lundi. Grâce à ton aide, nous avons publié l'édition spéciale du magazine que nous avons publié aujourd'hui.
Continuez à faire du bon travail. Je serai de retour samedi. Oh. Oh yeah. 1000 balles. Allez. Salut mon Mick. Ah que coucou. Salut Neko. Ah que coucou. Vous arrivez sur la fin. La fin du fin du fin. Ok. Histoire de se donner un petit peu faim aussi avec les sushis. Et donc là c'est bon. Niveau supérieur. On passe diamant. Enfin on valide le platine. Passe un coucou à mon Tixou. Trop mignon. Je vais à Palia. Je sais pas ce que c'est. C'est oui. Ah non, c'est le platinum. Platine obtenue. Oui, non, c'est ça. Platine obtenue, on va vers le diamant. Ouh. Curry de bonite à d'oreiller. Curry de poisson perroquet à bosse. Poisson perroquet braisé au vinaigre noir. Udon d'hippocampe. Udon d'hippocampe. Emplacement de cuisine plus 1. Intérieur ajouté plus 12. Plus 12. Oula, ouh. Maximum de OSB plus 5, quantité de OSB plus 1. Ok. Eh bah putain, ça va carburer. Le personnel d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas plus. Hein. Est-ce que je les mets en formation? Ils peuvent augmenter encore. J'aimerais bien augmenter les zones de restauration. Pour qu'ils servent encore plus vite. Let's go. On va reprendre un niveau chacun. C'est un nouveau MMORPG plus axé RP que farm. D'accord. D'accord. Je connais pas du tout. J'ai absolument pas entendu parler. Ok, niveau 9 tout le monde. Et même Yone, le petit cadeau qui a passé niveau 10, parce que j'ai envie. Et on peut encore aller plus loin. D'accord. J'ai dit peut-être que 10, c'était la fin. Cool. Ok. Eh bah écoutez, c'était une rude journée. Est-ce qu'on peut... Il y a encore derrière le... Le diamant. Visiblement non. Recette recherchée 32. Ah vache, c'est beaucoup là. Abonné 720. Ah oui, c'est vraiment le dernier niveau ça. Ça c'est pour ceux qui veulent aller très loin. Ok. Eh bah écoutez, on va en rester là. Grosse journée. C'était une grosse journée. 2h02 de VOD. Putain la vache. Ah, mais maintenant, c'est des longs runs qu'on fait à chaque fois, comme on cherche un petit peu de tout, à tous les niveaux. Qu'en plus, derrière, les hommes poissons qui arrêtent pas de nous faire chier, nous donner plein de missions nulles. Bah, forcément, ça prend beaucoup de temps à se balader en plus dans ce village d'hommes poissons. Allez, YouTube, pour toi, ça s'arrête là. J'espère que du coup, tu as kiffé cette VOD. Comme d'habitude, c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce. Non, faut que j'arrête avec cette outro. Mais non, parce que c'est un let's play. Bah, YouTube. Salut. Des bisous.